Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de NFL Quarterback Club 2000 sur Nintendo 64, un jeu édité par Acclaim et les studios Iguanas. Donc on va pas perdre de temps à s'intéresser tout de suite à un petit match amical. Bah tiens, pourquoi pas les Iguanas, tiens, pourquoi pas. Alors, pour info, les Iguanas que j'ai choisi n'est pas une véritable équipe, enfin ce n'est pas une vraie équipe pour la simple, c'est juste les programmeurs de, comment dirais-je, ah oui, du jeu qui ont décidé de se faire plaisir, ils ont décidé de créer leur propre équipe et l'ajouter à ce jeu. Ça, c'est que je trouve ça particulièrement assez cocasse. Je trouve ça assez cocasse et une très belle idée. Et donc on va s'intéresser tout de suite à un petit match qui oppose les Iguanas d'Austin, puisque le studio qui aujourd'hui malencontreusement, enfin le studio Iguanas n'existe plus, et leur dernière adresse était à Austin, au Texas. On a qu'à sous-entendre que cette équipe se nomme les Iguanas d'Austin, autrement dit les Iguanes d'Austin, qui est une ville du Texas, face à eux l'équipe de Washington. Voilà. Ah oui, vous m'excuserez si je ne dis pas le nom de l'équipe, l'ancien nom de l'équipe qui se nomme Redskins, autrement dit les peaux rouges, parce que ça fait trop raciste, et en plus il y a pas mal de polémiques qui ont... Bref, j'ai décidé de ne pas en parler, et c'est le touchdown, et ouverture du score, voilà, et ouverture du score des Iguanas. On va ça au ralenti, voilà, magnifique interception. Ah, il est pas bien joué, franchement bien, GG, fallait vraiment le faire. GG. Donc, ouverture du score, donc, des... Kevin Norman. Eh ben, GG, Kevin, franchement, et t'as assuré sur ce point. Bon, après la transformation, après, voilà, l'essai, on va assister à la transformation. Oui, c'est un petit peu comme au rugby. Attention, il va faire la passe. Et voilà! Et un point de plus. Bon, ce qui fait un total de 7 à 0 pour les Iguanas d'Austin. Oui, donc comme je vous disais tout à l'heure avant l'ouverture du score. Oui, donc comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, je ne prononcerai pas le mot Redskins, par respect de la tribu amérindienne. Oui, parce que comme je vous dis, le nom de cette équipe a fait quasiment polémique. Et en plus, les dirigeants du club ont décidé de retirer définitivement le mot Redskins par Washington tout court. Bon, je sais pas quel surnom ils vont donner, mais bon, au moins c'est bon, ce sera la petite info de la journée. Voilà, donc bon, écoutez, on va faire plus simple. On va qu'à dire que cette équipe de Washington se nomme les Washington Warriors. Voilà, autrement dit les guerriers de Washington. Voilà. Bon, on va faire plus simple. Voilà, donc on... ah oui, donc pour ceux qui auraient probablement du mal à différencier les équipes. Donc, les Iguanas jouent en gris face à eux, l'équipe de Washington, qui joue en blanc à rouge bourbon. Alors qu'il y a... Oh, attention, qu'est-ce qu'il... Voilà, et pour l'instant, là, c'est un peu le dénommé Rock Richards qui voulait dégager le terrain, mais il s'est fait plaquer à la dernière minute. Ah non, c'était Johnson. Marcus, c'est celui qui a plaqué ce mec. Bon, ok, bah pour l'instant, ça ne s'arrange pas du côté de Washington. Enfin, les Washington Warriors sont... Bon, on va voir s'ils y arrivent. Ils arrivent, attention! Et non! Et c'est un safety! Autrement dit, un sauvetage! Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le safety, c'est un petit peu le but contre... Le but dans le camp du camp adverse. Mais du coup, si vous marquez un point dans votre propre ligne, ça fait un point pour l'équipe. Comme je vous dis, c'est un petit peu le but contre votre camp. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, dans le football américain, c'est un mélange, c'est un croisement entre le rugby et le football. Comme quoi, c'est vraiment un sport, typiquement, jazzé, assez dynamique. Alors qu'il y a Trey Ziman qui s'est fait plaquer. Donc, 9 à 0 pour les Iguanas d'Austin. Si je suis pas très fortiche. Allez, le ballon est de nouveau pour les Iguanas. Oui, Lacoste qui s'est fait plaquer par Anthony Cook du côté des Warriors. Non mais ça va passer. Tout à l'heure ils ont marqué 9 points les Iguanas, ils peuvent quasiment retenter le coup.
pas le nouveau pour les Igounas, Chalgion. Et c'est justement, voilà, la mi-temps, voilà, la fameuse mi-temps. Ah, parfait. Bon, mesdames et messieurs, donc c'est donc la mi-temps de ce match. Bon, résultat, les Iguanas d'Austin, on trouve les Iguanes d'Austin mènent 9 à 0 face aux Warriors de Washington. On se retrouve un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Nous sommes de retour ici. Bon, je ne sais pas exactement où est-ce que nous sommes. Bon, écoutez, on va faire simple, on n'a qu'à dire que nous sommes au stade d'Austin, au Texas. Bah tiens, bah, oui, on va leur dire qu'on est aussi au Texas, voilà. Où justement, les Iguanas d'Austin, traduction, les Iguanes d'Austin mènent 9 à 0 face à Washington, face aux Warriors de Washington, autrement dit les guerriers de Washington. Voilà, et là pour l'instant... Ouais, bon, les Iguanas mènent 9 à 0 face aux guerriers aux Warriors de Washington. Et pour l'instant, une fois de plus, les Warriors se font dominer à la première occasion. Là, justement, ils sont dominés, les joueurs de Washington. Ouh, dessus, oh là. Et là, c'est Stephen Davis qui essaie de créer une percée malencontreusement, sans succès. Ah, il faut qu'ils se réveillent un petit peu les Warriors parce que là franchement c'est pas terrible ce qu'ils font. Il faut vraiment qu'ils fassent gaffe. Allez, Johnson. Oh, le ballon est perdu. Oh, le ballon est perdu. Mais il est repris par un des joueurs de Washington, c'est Albert Cornell. Ah, ça va mal, ça va mal. Ça va mal pour les Warriors. Ou les Warriors de Washington. Voilà, on dit... Quoi? Safety. Attends, j'ai pas compris là. J'ai rien compris. Franchement, j'ai rien compris. Il y a un mec qui a essayé de un des joueurs qui a essayé de capter le ballon. Et ça a créé une nouvelle fois un safety, un point donné à l'équipe adverse. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Soit il a mal géré le ballon et qu'il a lâché. Ou soit... Ça, je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui fait au total de 11 à 0 pour les Iguanas d'Austin, qui sont en train de plus en plus à faire régner leur loi. Ah, j'aime bien ce mec qui s'appelle Lacoste. Je le soupçonne d'être le capitaine de l'équipe. Je sais pas pourquoi. Donc, on continue à avancer du côté Lacoste, Norman et touchdown. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, le touchdown, c'est l'équivalent de l'essai au football américain. Voilà, et... Ah, belle percée. Franchement, il fallait le faire. Il fallait vraiment le faire. GG. Vraiment GG. Voilà, touchdown, hands off to Iguanas. Charles Norman. Ah oui, le fameux Charles Norman, celui qu'on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un certain Kevin... Kevin quelque chose. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est pas une chose sûre, il s'appelle Kevin. Donc, nouveau point marqué par... les Iguanas, ce qui fait au total de 17 à 0 et peut-être bien 18 à 0 si celui-ci réussit à marquer. Mais il va marquer, je suis sûr qu'il va marquer. Et ça passe! Non, quelle malchance! Ah, il a fait une belle percée, mais comme par hasard, il s'est fait plaquer à la dernière minute. Ah non, mais ils vont finir par marquer une nouvelle fois, c'est pas possible. Non, ils vont finir par marquer si ça continue. Voilà. Allez, c'est parti. Ballon de nouveau pour l'équipe des Iguanas. Attention! Non. Bon, bah, ok, Norman, bah, t'as gagné. T'es pour nous l'homme du match. T'es l'homme du match, le numéro 13, là. Allez, on continue. Ballon de nouveau pour l'équipe des Iguanas d'Austin, qui mène les débats. Attention, non! Et cette fois-ci, c'est le dénommé Darren Stewart. Qui s'est fait plaquer par un certain Strickland. Allez, ballon de nouveau du côté des Iguanas. Un petit time break. Je saute aux deux équipes de trouver une stratégie. Voilà,
Ah, c'est bon, espérons que la stratégie va fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Il la cause, Iguanas, Neil Ball. Ah, mince, j'ai l'impression que. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien compris, franchement, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. La dire c'était un faux départ, voilà, c'est ça. Allez, Biscuit Watson, oui, là. Chef Schalgen, je sais pas comment on prononce, je suis désolé. Attention, Watson, il dégage au pied. Et... Non, dommage, ça passe directement sous les tribunes. Bon, ce qui va permettre à l'équipe des Warriors de Washington de mieux préparer leur défense. Espérons bien sûr qu'ils puissent mieux jouer parce que là, ils sont en train de faire, mais non seulement ils sont dominés, mais en plus ils font n'importe quoi. Attention! Non, là, 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 là. Et là, je crois que c'était Johnson qui s'est fait plaquer. Par un dénommé Disp. Oh, j'arrive pas à dire son nom. Je sais pas d'où il sortait, mais en tout cas, il m'a l'air bien, bien badass, bien, bien bourrin. Allez, ah, Dana Dispenza? Dana Dispenza? Attends, mais c'est pas un nom d'homme, c'est en plus Dana, c'est un nom de fille, c'est pas un nom d'homme. Ah, bon, ils ont peut-être intégré une programmatrice dans ce jeu, je sais pas. Bon, bah, en tout cas, bah, GG Dana. Allez, on continue. Ballon de nouveau pour l'équipe des Washington Warriors. Ah, ballon pour. Côté de Rainer, attention, et de nouveau plaqué. Enfin, si c'est. Comment dirais-je. Brad Johnson qui s'est fait plaquer par Josh Coleman. Ah, il s'approche dans ce. Là, il faut qu'il fasse gaffe, les joueurs de Washington, parce que là, vous le voyez peut-être pas, mais là, ils sont à 1 mètre, 1 mètre des lignes des défenses de l'équipe des Warriors. Ah, ils ont intérêt à faire gaffe, ils ont intérêt à faire gaffe, parce que là, franchement, c'est. Ça va pas du tout, attention! Qu'est-ce qui se passe? Oula, attention! Et un nouveau point marqué par les Iguanas. Et rien ne va plus du côté des Washington. Oh là là, non, 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 non. Et voilà, vous voyez, il y a un des joueurs de. Comment dirais-je? De Washington qui a gardé le ballon, mais il s'est fait plaquer par des joueurs sur leur ligne. Enfin, les joueurs des Iguanas sur leur ligne. Ce qui donne un 20 à 0 face à l'équipe de Washington. On continue, cette fois-ci on entre déjà à la dernière quart d'heure de ce match et les Iguanas d'Austin, autrement dit les Iguanes d'Austin, mènent toujours 20 à 0 face aux Washington Warriors, autrement dit les guerriers de Washington. Attention, ça va être la fin du match, ça va être la fin du match dans un peu plus de 6 minutes. Et ben déjà, ben, belle victoire, ça sera quasiment mais une victoire éclatante pour l'équipe des Iguanas, une équipe totalement inconnue mais qui fait vraiment une sensation. Attendez, Mark Richard, plus de game. Ouais. Et c'est justement la fin du match et victoire. Belle victoire donc des Iguanas d'Austin, autrement dit les Iguanes d'Austin, qui est une équipe qui a été créée par les développeurs. Et c'est pas une véritable équipe, mais bon, GG quand même à eux qui l'emportent 20 à 0 face à l'équipe des Washington Warriors. Franchement, bah, c'était un très bon match, même si c'était pas vraiment le meilleur match qu'on ait eu. Mais bon, c'était un bon match. Franchement, c'était un bon match. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc NFL Quarterback Club 2000 sur Nintendo 64. J'espère que cette vidéo et ce match vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour le prochain match.